Donc, je suis Françoise Combes, je suis une chercheuse en astrophysique et je m'intéresse en particulier à la formation et l'évolution des galaxies et puis à la formation de notre univers. J'ai écrit des livres pour les étudiants, donc assez spécialisés sur les galaxies avec beaucoup d'équations, quelles étaient la physique de cette formation de galaxies, le milieu interstellaire, la physique du gaz, les raies spectroscopiques, etc. Donc ça, c'est vraiment pour les étudiants. Et puis, d'autres livres que j'ai écrits, c'était vraiment pour tout le monde. Et il n'y a pas beaucoup d'équations à ce moment-là. Et n'importe qui n'a même pas fait de recherche dans ce domaine ou qui n'est pas scientifique peut le lire. Donc on va essayer, évidemment ce n'est pas parfait, mais on va essayer de supprimer tout le jargon et tout le vocabulaire spécifique à cette discipline. Et puis d'essayer en termes courants de tous les problèmes et pourquoi c'est très intéressant. J'aime bien les livres, par exemple, de Jean-Pierre Luminet. Qui écrit beaucoup de livres sur. D'abord, il a écrit sur les trous noirs au début. Il a écrit ensuite beaucoup de livres d'histoire de science. Où il a écrit sur Copernic, il a écrit sur Newton, il a écrit. Et c'est très vivant, c'est très divertissant. Et en même temps, on apprend beaucoup de choses sur le progrès de la science et comment Newton ou Copernic a eu ces idées-là.